Le responsive web design, ça se réfléchit. 2 minutes pour comprendre. Quel est l'intérêt de développer un site en responsive web design? Alors, petite définition du responsive web design. Le responsive web design aujourd'hui, c'est la conception de sites web qui s'adaptent aux différents formats avec des fonctionnalités ou du contenu spécifique. L'idée, effectivement, c'est de proposer un parcours utilisateur spécifique sur les différents supports avec effectivement une amélioration du taux de rebond et une expérience utilisateur efficiente. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de rupture ou d'abandon de la navigation en passant du desktop jusqu'au mobile. Quelles sont les spécificités d'une conception en responsive web design? Alors aujourd'hui, la conception responsive web design, ce n'est pas juste adapter les fonctionnalités et le contenu suivant la taille de l'écran. Ça se réfléchit en amont, en prenant compte les usages et les besoins des mobinautes ou des gens utilisant une tablette. Et c'est de recueillir à travers la data ou les web analytics les besoins de ces utilisateurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir intégrer cette réflexion-là en amont de la conception des projets avec les équipes métiers, techniques, fonctionnelles et design pour proposer une expérience utilisateur efficiente sur mobile. Quelles sont les évolutions du responsive web design? Aujourd'hui, Google a défini un label qui s'appelle le Mobile Friendly. Ce label récompense, entre guillemets, en termes de référencement sur Google, les sites qui proposent une expérience utilisateur spécifique ou efficiente sur mobile, à savoir soit des sites web mobile dédiés, soit des sites responsive web design, mais qui ont une expérience utilisateur optimum sur mobile. L'idée, effectivement, c'est de pousser à ce que la conception soit orientée vers le mobile. Google va même plus loin en proposant la conception de sites qui permettent effectivement un meilleur référencement via le mobile. L'idée aussi de ce moteur de recherche, c'est de pouvoir effectivement proposer une recherche spécifique sur les sites mobiles.